Elle a donné du bonheur à ses téléspectateurs chéris, mais derrière ce visage heureux se cachaient quelques malheurs. Obésité, perte de poids, perte d'emploi. Pour la première fois, l'animatrice télé Soflane Kengne dit tout. Document exceptionnel à suivre. Elle, c'est Marie-Françoise Eolo, la voix du trésor sur la CRTV, poste national. Pendant une journée, nous l'avons suivie. Médias camerounais, quelles sont leurs lignes éditoriales? Un média doit-il, peut-il être neutre? Positionnement éditoriaux de nos médias, enquête, choc. En fin d'émission, humeur et humour des médias avec la courte focale. Travelling, clap de début. Bienvenue à Douala, bienvenue à ce nouveau voyage dans le monde des médias qui s'ouvre avec une enquête. Quelles sont les différentes lignes éditoriales de nos médias au Cameroun? Pour voir, savoir, entendre et comprendre, nous nous sommes glissés au sein des principaux médias camerounais. Enquête exclusive signée Lionel Messi, Yves Kouam, Jacques Ekoua et Alain Balsingham. Au mensonge diffusé par Equinox TV émeut le Cameroun. Une télévision et radio publique accuse sans aucune preuve et sans aucune investigation digne de ce nom Equinox d'avoir... Equinox a fait un travail qui a été jugé peu professionnel, du moins qui a été attaqué sur beaucoup de points. CRTV, qui est dans son rôle propagandiste, a fait également un travail qui est attaquable également sur un certain nombre de points. Mais on ne peut pas en arriver à ce type d'affrontement. CRTV voulait garder le leadership, mais qui l'en empêche, c'est Equinox, avec un positionnement radicalement opposé au système en place. Et justement, Equinox, c'est la chaîne des anticonformistes, et elle donne la parole à ceux qui comptent pour le peuple, mais qui ne comptent pas pour le pouvoir. Comme un remake de la très célèbre pièce de Guillaume Oyonombia, Trois prétendants, un mari. Dans les rôles principaux, deux géants des médias au Cameroun et une dame sortie de nulle part. Au cœur du dilemme, la vérité. D'abord, celle de dame Stéphanie Njomo. Larmes à l'œil dans chacun des médias avec deux versions d'un même conte. Près de 10 minutes d'un mélodrame fictif ponctué par des sanglots dignes des pleureuses professionnelles. On n'a jamais accusé Equinox Télévision de l'avoir instrumentalisé. Ensuite, celle, au pluriel, développée par les deux géants de l'audiovisuel. Chacun se prévalant de détenir la vérité, celle cachée derrière chacune des apparitions de Dame Njomo. On se renvoie la faute sur une prétendue manipulation de la vérité à des fins partisanes. Les mots claquent, les plumes s'entrechoquent, le verbe est sémillant et piquant. Et oui, le récit de Stéphanie Njomo sur le plateau de Equinox Télévision n'était que pure fiction. Discréditer le professionnalisme avéré d'Equinox Télévision et son leadership incontesté et envié de la chaîne la plus enviée au Cameroun. Comme éberlués face à la tournure des événements, les villageois, spectateurs de ce combat digne des grandes arènes romaines, ne se lassent d'applaudir à chacune des salles. Ici, même les notables, les journalistes, habituels arbitres de haut vol dans ce genre de situation, ont du mal à se prononcer. Je passe la parole à quelqu'un qui est invité dans mon média, mais je ne suis pas dépositaire de ce que dit cette personne. Je pense que l'attitude la plus normale dans un cas comme celui-là aurait été celle d'une entreprise, et là c'est d'Equinox que je parle, qui s'excuse en étant sûr du fait que la personne qui a été interviewée a visiblement manipulé l'équipe de production. Les médias sérieux ne peuvent pas arriver à ce niveau de bataille que je pourrais qualifier de bataille de chiffonnier. La CRTV a essayé d'être en respect, en harmonie avec son choix éditorial, valoriser l'action gouvernementale. Quelle est la réalité des faits dans cette affaire? Voilà, tout simplement. Quelle est la réalité des faits? Dans cette affaire qui a défrayé la chronique, difficile à ce jour d'établir quelle est la vérité des faits. Tant les deux géants de l'audiovisuel sont restés campés sur leur position, se renvoyant mutuellement la faute. Une divergence d'opinion qui met en lumière un problème fondamental dans le fonctionnement des médias, celui de la ligne éditoriale. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale? Est-elle respectée dans les médias camerounais? Enquête au cœur des rédactions dans les médias camerounais. Lorsque l'on montre la question « Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale ?» dans le célèbre moteur de recherche Google, Voici la réponse qu'on obtient. La ligne éditoriale est l'ensemble des règles définissant l'orientation des contenus, l'ensemble des choix et décisions visant à assurer la cohérence des textes et vous permettant de définir en quelque sorte l'identité de vos supports de communication, qu'il s'agisse d'un journal d'entreprise, d'un magazine. Une définition pas très loin de celle que nous ont donnée les patrons et acteurs de médias que nous sommes allés rencontrer. La ligne éditoriale serait dans cette sorte de constance qui sert à orienter les contenus, qui sert à orienter une production. Là, je parle en professionnel. Maintenant, du point de vue du public au Cameroun, on ne peut pas faire semblant d'ignorer que la ligne éditoriale chez nous se résume assez souvent à la position perçue du média vis-à-vis du gouvernement. Ce qu'on appelle la ligne éditoriale, et que moi je préfère appeler l'identité éditoriale. L'identité éditoriale d'un titre est définie avec le consensus d'une salle de rédaction. C'est pour ça que travailler dans un organe de presse est un engagement moral, politique. En fait, c'est la ligne conductrice. C'est le positionnement d'une antenne. Une ligne éditoriale est comme un idéal. Chaque média a sa ligne éditoriale. Chacun traite l'information selon sa sensibilité et selon les idéaux qui lui sont propres. Du vrai faux témoignage de Equinox TV. Ces super journalistes ont si bien défendu leur big boss, se payant même le luxe de donner des leçons de journalisme à Equinox Télévision. Avec plus de 60 ans de présence dans le pays, dont une trentaine en situation de monopole, la CRTV est, on peut le dire sans risquer de se tromper, le doyen des médias au Cameroun. Un média dont la ligne éditoriale est connue de tous. C'est la voix du gouvernement de la République du Cameroun et du régime de M. Biya. C'est le tam-tam de Paul Biya. Tam-tam du chef de l'État, voix du gouvernement, les mots ne manquent pas lorsqu'il s'agit de parler de la chaîne de service public. Pour mieux comprendre cette orientation, nous avons pris rendez-vous avec l'une des plus belles voix de la radio nationale. Elle, c'est Chetta Bili. Elle est chef du département des tranches spécialisées au poste national de la CRTV. Alors Chetta, quelle est la ligne éditoriale de la CRTV? Ah, grande question. Il faut que je prenne un grand bol d'inspiration. La CRTV est censée servir le public. La CRTV est censée permettre aux citoyens camerounais d'avoir accès à toute l'information nécessaire pour s'organiser et se mouvoir dans la société camerounaise et à travers le monde. Maintenant, en le déplorant moi, à titre personnel, pour constater que souvent, ces personnes qui incarnent le pouvoir public, ces personnes qui sont censés manipuler le gouvernail du fonctionnement public sont des êtres humains et parfois se laissent aller à utiliser ce qui est un média public pour servir des intérêts qui ne sont pas forcément partagés par tous. Malgré ces quelques écarts qui ne lui sont pas toujours imputables de la vie de Chetta, la CRTV est dans son créneau, celui de la défense des intérêts du gouvernement. À ceux qui pensent que la ligne éditoriale est bafouée, on ne peut pas dire que la CRTV ne respecte pas sa ligne éditoriale parce que c'est trop absolu. La CRTV fait l'essentiel de ce qu'elle devrait faire. La CRTV donne la parole à tous les segments de la société. Maintenant, je peux être d'accord avec un certain niveau d'insatisfaction parce que le taux d'ingérence ou le taux de dérapage de ce qui devrait être la ligne est peut-être encore trop visible, est peut-être encore trop élevé. Mais j'ai envie de dire que la perfection en la matière n'existe nulle part au monde. Parce que tel que j'ai entendu le papier qu'on a diffusé aujourd'hui, tu as besoin d'être accompagné en matière de développement. Un autre média dont l'orientation est clairement établie, c'est Vision 4. La télévision établie en SAM a une ligne éditoriale clairement définie et un positionnement tranché. Vision 4 est biaïste, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pro-gouvernement, c'est deux choses différentes. Vision 4, à mon sens, a eu l'impression qu'il y avait un vide du point de vue de la défense d'un certain positionnement socio-ethnique. Et je crois s'est donné pour mission de combler ce vide. C'est une manière de voir le Cameroun aussi, qui est respectable, que je respecte. Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chogard. À Vision 4, on assume pleinement ce positionnement que certains pourraient qualifier d'extrême droite. Roméo Cyriac Mbida, directeur des programmes à Vision 4, est d'ailleurs précis à ce sujet. En tant que média de pouvoir, il n'y a qu'une seule personne qui est au pouvoir. Pour bon nombre d'observateurs, Maurice Kamto est atteint du palapala politique. Tel journaliste a eu à faire une déclaration hasardeuse autour d'une haute personnalité. Alors, là, c'est une opinion personnelle du journaliste. Non, nous ne sommes pas une chaîne tribaliste, nous sommes une chaîne à la solde du pouvoir. Outre ces deux médias qui sont classés à droite et à l'extrême droite, il y a bien des médias de gauche, si l'on considère bien sûr que la gauche, c'est l'opposition. Mais aussi, il y a des médias centristes qui s'assument. C'est un peu le cas de STV. Nous y avons rendez-vous avec Dipita Tongo, le coordonnateur de la rédaction. Centriste, si on peut le dire comme ça, ni de gauche ni de droite. L'enjeu pour nous, évidemment, c'est de donner des éléments à nos téléspectateurs, au public, de prendre conscience des enjeux, de ce qui se fait autour d'eux, le maximum d'éléments pour, en cas de choix, peut-être dans la sphère politique, décider en toute âme et conscience. Dans l'univers de la télévision au Cameroun, les lignes éditoriales sont clairement définies et chacun essaye de s'y conformer, quoi que l'on dise. Entre les médias de la droite, ceux de l'extrême droite ou encore les centristes et ceux de la gauche où l'on retrouve pratiquement Equinox Télévision en seule figure de proue de ce mouvement, eh bien, les téléspectateurs camerounais ont largement l'éventail du choix. Quid alors de la presse écrite et des radios? Depuis la libéralisation du secteur de l'audiovisuel dans les années 2000, l'un des médias qui a connu une éclosion fulgurante dans le paysage camerounais, c'est bien la radio. À tel point qu'aujourd'hui, on compte pas moins d'une centaine de radios émettant dans les seules villes de Yaoundé et Douala. Une pluralité d'offres qui permet aux auditeurs d'avoir le choix en fonction des convictions personnelles. À Douala, où nous avons pris rendez-vous avec deux radios qui ont pignon sur rue, les positions de ces dernières sont assez claires. Abeka Radio et Balafon sont toutes des radios centristes. N'allez surtout pas croire à un mimétisme lié aux ressemblances au niveau des couleurs de ces radios, encore moins au fait qu'elles soient voisines. Leur positionnement cadre avec les objectifs fixés dès le lancement de ces dernières, tels que le précise ici Cyril Bogico, promoteur de Balafon, et Achille Asako de Abeka Radio. Comme on dit, le dit son slogan, la radio qui vous écoute, nous sommes proches du peuple. Nous sommes la voix des sans-voix. C'est une ligne éditoriale, on va dire, très très simple. Vous avez des choses à dire, venez sur Abeka Radio. Assumer clairement sa ligne, au-delà de toute critique, c'est aussi le credo dans la presse écrite. Dès les années 90, les nombreux titres qui ont pris possession des kiosques à journaux ont apporté une pluralité d'opinions et de points de vue, véritable expression de la démocratie. Si l'un des pionniers qu'est le quotidien Le Messager est aujourd'hui dans la tourmente sur le plan financier, il a conservé son âme. Alors, Le Messager, fidèle à son fondateur, Personnel Funjawe, un organe de presse qui a son positionnement qui est radicalement opposé à l'établissement. Quel que soit le dirigeant qui viendra, Le Messager gardera ses positions. Et c'est normal en démocratie. Voilà l'incarnation de la vraie démocratie dans la presse écrite, Le Messager. Georges-Alain Boyomo et Aman Mana sont tous les deux directeurs de publication de deux des plus grands quotidiens au Cameroun, Mutation et Le Jour. Deux quotidiens dont les orientations éditoriales sont un tantinet opposé. Quand Mutation se veut centriste et l'assume, du côté de Le Jour, on ne refuse pas l'étiquette de poil à gratter du gouvernement que lui donnent certains observateurs de la scène médiatique camerounaise. Donner une information globale sur la vie du Cameroun pour permettre aux citoyens de déterminer son choix. À côté de cela, nous avons un engagement fort pour les droits, la défense des droits de l'homme et l'existence de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre pays. Nous traitons l'information sans parti pris, sans acharnement, sans compromission, sans complaisance. Pourquoi anti-gouvernement? Expliquez-moi, comment un journal peut être anti-gouvernement? Le gouvernement, c'est l'entité qui est censée garantir la sécurité, un minimum de bien-être, l'éducation, la santé aux citoyens. En tant que journal, nous vérifions si cela est fait. Si cela n'est pas fait, nous le disons. Et si cela n'est pas souvent fait, comme c'est le cas au Cameroun, nous le disons aussi souvent que cela est possible. C'est ça le problème. Si c'était souvent fait, pourquoi on le dit, nous ne le dirions pas? Au jour où nous disons quelque chose de positif sur le pouvoir, ceux qui sont de la ligne adverse ou de l'opposition vont dire que bon, on a déjà pris fait cause pour le pouvoir. Et ceux qui sont de l'opposition, lorsqu'on dit du bien d'eux, le pouvoir dit que non, vraiment, on pensait que Mutation était un journal indépendant. Donc on est également face à cette réalité-là, mais nous restons fidèles à notre charte éditoriale. Quoi qu'en disent les patrons de médias, il y a toujours dans les orientations éditoriales de ces derniers une notion partisane, quoi qu'inavouée. Ce qui emmène à se poser des questions autour de la neutralité des médias. Alors, un média ne doit-il pas être neutre? Oula, le média neutre, je le cherche. Je le cherche, et je ne le cherche pas seulement au Cameroun, je le cherche à travers le monde. Et humblement, je n'ai pas encore trouvé. Lorsque le pouvoir pose une action positive, qui est capable de dire que c'est une action positive, lorsque l'opposition fait une action négative, nous sommes également en mesure, en capacité, suivant notre ligne éditoriale, de dire que c'est une action négative. Il est très difficile quand même, hein, de trouver des médias neutres, mais chacun requalifie le fait selon sa ligne éditoriale. Chacun a son camp. Et dans cet environnement où l'alignement compulsif est la règle, je crois que Mutation est le seul, sinon l'un des rares journaux à garder sa ligne. Il n'est pas juste, il n'est pas honnête de donner l'impression d'être neutre, si tant il est qu'on peut l'être, alors qu'en réalité, dans le traitement, dans le choix des sujets, c'est pas ce qui est reflété. Une absence de neutralité qui s'explique de l'avis des acteurs du monde des médias. Et parmi les raisons évoquées, il y a la question de la formation des journalistes, eux qui sont en charge d'appliquer les lignes éditoriales des médias pour lesquels ils travaillent. Et bien entendu, le rôle parfois trouble du gouvernement. Si vous êtes financé par quelqu'un, il vous dit ce que vous devez dire. Il vous dit ce que vous devez dire. Quand, par exemple, sur la CRTV, le directeur général dit que c'est le tam-tam du président de la République, c'est parce que le président de la République l'a porté à ce poste, c'est parce que c'est le président de la République et ses démembrements qui décident des subventions accordées à cet organisme-là. Et par contre, si vous avez des accointances avec des gens qui ont intérêt à ce que le son de cloche contraire retentisse un peu plus, ces personnes-là mettent les moyens. Et si vous vous rendez compte que votre lectorat est celui qui préfère les scoops, le sexe, le scandale, ce que vous faites, c'est que vous donnez au lectorat ce que le lectorat veut et ça vous permet de survivre. Donc, il y a ce problème de dépendance financière qui entraîne une dictature dans la ligne éditoriale. Certains parce que simplement ils n'ont pas été formés pour, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés formellement dans une école. Malheureusement, on ne met pas des mots assez clairs sur la ligne éditoriale dans les organes de presse. Parfois c'est délibéré parce que on ne veut pas se faire repérer, parce que on veut avancer masqué, souvent parce qu'on veut user de ruses pour pouvoir se laisser la latitude d'un peu d'opportunisme aussi. Il y en a qui sont devenus des procureurs, qui sont devenus des avocats, qui sont devenus des relais amplificateurs. On sort du champ du journalisme et je pense qu'il serait honnête pour ceux qui le font, que ce soit du côté du pouvoir que de l'opposition, de dire clairement qu'ils ne font plus du journalisme. La presse camerounaise est un manipulateur manipulé. Manipulé par ceux qui veulent conserver le pouvoir ou ceux qui veulent l'acquérir. Donc, on va amener les journalistes parfois à dire ce qui n'est pas vrai pour 2 ou 3 tondus et mal pelés, au détriment de 1, 2, 3, 4, 5 millions de personnes qui manquent d'eau ou qui manquent de soins de santé. Pour défendre ces positions, tous les coups presque sont permis. La télévision de l'hôpital Jameau est déjà certifiée ISO 2009 dans le mensonge. Pourtant, le clanisme médiatique est loin d'être l'apanage du Cameroun. Chez les autres, on est résolument subtil. En France, par exemple, des médias appartiennent à des grands groupes qui ont des intérêts et vous ne vous rendrez presque jamais compte que tel média appartient à telle personne. On a souvent du mal à comprendre que TF1 est une chaîne privée et que c'est France 2 qui est la chaîne de l'État. Comment donc faire pour avoir une presse droite dans ses bottes ? Dont les différentes lignes éditoriales sont clairement définies et respectées. il faut qu'on trouve les moyens de rendre la presse beaucoup plus riche. Et quand elle sera beaucoup plus riche, elle sera indépendante et les lignes éditoriales seront mieux démarquées et elles seront moins, on va dire, parfois un peu moins villageoises. Vous avez besoin de faire plus d'efforts, 2 fois plus d'efforts que des médias pro-gouvernementaux. Soit parce qu'ils ne sont pas formés, soit parce qu'ils sont en quête du pain quotidien simplement, ils se font manipuler soit par l'employeur, soit par des forces tapis dans l'ombre. Qu'est-ce que vous allez reprocher au reportage de la CRTV? D'installation d'un délégué régional des transports. Qu'est-ce que vous allez reprocher à ce reportage? Ils rendent compte de certaines actualités. Il y a un public pour cela. Dès qu'une voix s'éteint, c'est un pan de démocratie qui est en train de se déchirer. En attendant une panacée, les médias camerounais poursuivent leur chemin tout en restant sur le fil d'Ariane qu'ils tissent au quotidien, au gré des événements et parfois des sources de financement. Le tout dans l'espoir d'un mieux en conformité avec leur ligne éditoriale. Suivons notre ligne éditoriale. Et alors dans les coulisses d'une des plus grosses productions du Cameroun, le journal de 13h. Pendant 24 heures, nous avons suivi la célèbre présentatrice du 13h, Marie-Françoise Eolo. C'est un document inédit signé Yves Kouam, Jacques Ekoua et Alain Balsingham. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h. C'est un spectacle chaque jour d'écouter la voix du 13h. Lecture intégrale du communiqué du gouvernement dans le 13h. Une voix qui vaut de l'or, une voix qui a souvent valu les privilèges à son nom. J'arrive donc à la banque à 6h, je trouve au moins 150 personnes devant moi. Je vais laisser mon chèque et je m'en vais m'asseoir. J'attends. Et la dame, elle appelle ton nom très fort. Et Wolo, Marie-Françoise, elle dit présente. Tout le monde se retourne. Donc c'est toi, le premier chef afro-américain du Pentagone. Derrière cette voix se cache une artiste au vocal difficilement imitable, Marie-Françoise Eolo. Elle fait partie des gens qui ont une signature. Le cœur de la nation bat au rythme de sa voix chantante, rock et suave, qui annonce les bonnes et les mauvaises nouvelles du jour. Vous connaissez peut-être la musique? Nous, on va vous rappeler les paroles. Qu'est-ce qui se passe dans les heures et les minutes qui précèdent le banquet de l'info? Comment est le quotidien de la présentatrice vedette? Ses états d'âme? Quoi? Avant et pendant la production. C'est juste incroyable. N'est pas prêt, n'est pas prêt. Immersion dans les coulisses du 13h. Yaoundé, il est 4h31. Pour nous, la journée a déjà commencé. Même s'il fait encore nuit, nous profitons des rues presque vides pour traverser la ville du sud vers le nord. Une demi-heure plus tard, on peut alors entamer la rencontre avec Marie-Françoise Eolo. Surprise, sa sœur cadette, en pleine séance matinale de sport, nous ouvre le portail. En peignoir et déjà debout, Marie-Françoise Eolo nous accueille à son domicile. Pour être au taquet et bien servir l'information du jour à l'heure du déjeuner, la présentatrice s'est échappée des bras de Morphée à 4 heures. Je suis déjà formatée comme ça. Comme d'habitude, elle s'active à son réveil à faire des recherches sur la citation qui va ouvrir son journal. Si je ne trouve pas la citation, je vais la chercher à la radio. L'idée d'une citation pour ouvrir le journal vient d'une volonté personnelle aidée par Jean Atangana, le directeur des rédactions radio. Quand je suis revenue à la radio, je lui dis... Qu'est-ce que je peux faire qui soit un peu décalé? Je vais écrire un petit texte et puis je vais lancer le journal. Il me dit oui. Et le lendemain, il me dit, alors la citation d'aujourd'hui, j'ai dit donc c'est adopté. Il me dit oui, c'était très bien. Le directeur général m'a dit qu'elle soit en rapport avec le dossier du jour. 5h10, pour se donner du tonus et chauffer ses cordes vocales, quoi de plus normal qu'une bonne tasse de café qu'elle sirote en découvrant la première mouture de son journal, publiée la veille dans le forum WhatsApp du 13h par le rédacteur en chef Vincent de Paul Atangana. À partir de là, je choisis déjà un ou deux sujets pour apprêter les titres. Hello. Avant d'aller se coucher à nouveau, Marie-Françoise Eolo, dans son cocon familial, aime souvent prendre du temps pour aller causer avec ses sœurs, qui sont aussi ses premières auditrices. Son thème vocal, j'aime. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, quand il parle, j'entends pas qu'on parle à la maison, mais ça me plaît. 5h47. Je vais me recoucher, je m'endors, et là, profondément, jusqu'à 7h. Quand elle est de nouveau debout, l'on repasse sa tenue du jour. 8h50. Elle partage le petit déjeuner avec l'équipe de travelling. Une particularité chez Marie-Françoise Eolo, elle préfère toujours manger le reste de nourriture de la veille ou alors simplement des fruits. Il est 9h53. Marie-Françoise Eolo est prête à partir depuis un bon moment. Sauf que Charles, son chauffeur, n'est toujours pas là. Premier énervement de la journée. Quoi? Mais je suis prête depuis. C'est terrible. Après environ 3 longs quarts d'heure d'attente, c'est enfin le départ pour le boulot. 17 minutes de trajet dans les embouteillages matinales et nous sommes à la maison de la radio. Toujours aussi disponible, humble et chaleureuse, Marie-Françoise Eolo prend du temps pour échanger des civilités avec des collègues qu'elle croise, non sans oublier de parler boulot. À l'administration, 2 anciens covidés qui se retrouvent. Je serai en direct. Oui, je serai en direct. Avant de s'engouffrer dans l'ascenseur pour le 2e étage, puis son bureau. Marie-Françoise Eolo. Tous les matins, quand j'ai déjà fait ça, c'est que c'est parti. Première des choses, c'est de mettre ma citation au propre et de commencer dans la confection des titres. Il est 11h moins 25. Marie-Françoise Eolo est un grand nom de la radio. Elle comptabilise plus d'1/4 de siècle dans le service public. La native de Yaoundé vient au monde un 31 juillet à 5h du matin. Formée à l'école de journalisme de communication d'Aix-Marseille en France, promotion 1992-93, elle arrive à la tête du trésor du poste national de la CRTV en 1994 pour succéder à un monument du journalisme camerounais, Alain Balsingham. En 2003, la très discrète et talentueuse fille étudiée à Yaoundé est nommée au Centre de communication du Cameroun à Bruxelles, en Belgique, par le président de la République. De retour au pays en 2017, c'est tout naturellement qu'elle retrouve le fauteuil du trésor. J'avais le trac, j'avais les intestins qui étaient complètement retournés, qui étaient serrés. Pour évoquer ses meilleurs moments à la présentation du trésor, il faut remonter le temps et elle en parle avec un sérieux cartésien. La 2e visite du pape, je crois que j'ai dû perdre 5 kilos. Et l'autre, c'était le jour du décès de Monseigneur Jean Zoua. Ça, c'est un journal que je n'oublierai jamais. Marie-Françoise Eolo, infectée à la Covid-19, elle est malade et hospitalisée 2 mois durant. Donc, je préfère avoir mon casque et je préfère avoir mes porte-micros. Donc, quand j'arrive en studio, et puis j'ai mon gel. Pour descendre en studio, je me parfume. Revenons aux étapes majeures qui nous mènent vers le grand journal de la mi-journée. Dans le bureau qu'elle partage avec les journalistes Claire-Paul Thomo et Rabiatoula, épouse Foudaoutou, Marie-Françoise Eolo peaufine déjà ce que sera le début du 13h. Implique les collègues dans la rédaction de ces titres, ce qui est une très très grande chose. C'est pour ça que c'est bien fait. Docteur Orban, je pense qu'il peut changer à l'état d'injection. Oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Okay. Merci. Elle donne une idée. Chacune de nous essaye, on essaye de débattre. Et puis finalement, elle a le titre qu'il faut. À midi, je dois normalement avoir fini les titres. Et je descends en salle de rédaction. 12h30, Marie-Françoise Eolo quitte son bureau pour descendre un étage en dessous. Direction, la salle de rédaction, située à l'aile ouest de l'immeuble siège de la Radio Nationale, retrouver son équipe restreinte. Et quand je descends donc, je consulte les réalisateurs, ceux qui font la relecture, ceux qui rédigent les chapeaux. Parce que tu as quand même une 50aine d'écritures qu'il faut lire. Donc je maîtrise déjà plus ou moins toutes les écritures, mais il y a des fois, je bloque sur un mot. Et c'est pour ça que les auditeurs peuvent m'entendre buter. Pour proclamer les résultats. Ici, la présentatrice procède à la vérification du menu, prend connaissance et contrôle les chapeaux des journalistes qui produisent des éléments en studio, sur le terrain et dans les régions. Un travail qui suscite parfois de l'énervement. Je dis, hein, il y a deux papiers, Bassam fait le même papier, Bemaya fait le même papier. Elle procède à l'élimination des sujets superflus et pourquoi pas hausser le ton quand il le faut. C'est même comment? Qui passe avant Bassam ou Bem? Vous voulez que je crie? C'est Bemaya ou Bassam qui passe avant? L'équipe de la Commission nationale, Konak. Bassam fait exactement Konak. 12h45, le rédacteur en chef Vincent de Paul Atangana vient superviser. Nous sommes à 6 minutes de la prise d'antenne. L'équipe dénomme 14 sujets au total pour l'édition du jour. Je dis, vous ne faites que copier là, vous copiez même quoi depuis, je ne comprends pas. On n'est jamais à l'abri des changements des dernières minutes, susceptibles de bousculer la hiérarchisation de l'information, et ceci peut arriver à n'importe quel moment. Justement, alors, ce jour-là, l'info tient en 4 mots et arrive à 4 minutes du journal. Communiqué important du gouvernement. Le document revêtant un caractère important est porté à la connaissance de l'équipe par Jean Atangana, le directeur des rédactions radio en personne. « 12h59. La tension monte d'un cran. Au pas de course, Marie-Françoise Eolo et la réalisatrice du journal foncent en studio dans le sous-sol de l'édifice. « Bonjour tout le monde. Ah, il est que ça. » « Bonjour. Ah, yeah. » Bonjour. « 13h02, au studio 106, le journal n'a toujours pas commencé. La présentatrice et la réalisatrice procèdent encore aux dernières vérifications par interphone, l'une en studio, à fleur de peau, et l'autre en cabine, très calme. L'ambiance est telle que un mot mal placé peut venir mettre le feu au poudre. Le générique est néanmoins lancé discrètement par le metteur en ligne. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Les aléas du direct, malheureusement, on est obligé de conjuguer avec. Alors, tu as déjà ton journal classé par ordre d'importance et il me dit, je n'ai pas encore le premier, je ne suis pas le deuxième. De toutes les façons, à 13h01, tu lances le journal. 13h03, le journal est enfin lancé. Avec en ouverture comme prévu, l'identité, je devrais dire, l'une des identités remarquables de MF, comme on l'appelle affectueusement à la rédaction. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse. Tout au long du 13h, un travail minutieux de coordination est savamment exécuté par le binôme Marie-Françoise Eolo, la présentatrice vedette, et Lolita Bilois, la réalisatrice, qui murmure des indications à l'oreille de Patrice Bikim, le technicien metteur en nom. Julien Paul Gono, qui doit passer maintenant, son téléphone ne passe pas. Bon, on met d'abord son chapeau de côté. Je fais le pari. Lorsqu'elle est prête, je te fais signe. Elle est seul numéro de téléphone. Oui. Mais ça ne passe pas. Il faut insister. Dès qu'elle est prête, je te fais signe. Élément après élément, on arrive à la rubrique l'invité du 13h, puis c'est le condensé des nouvelles du jour en langue anglaise, avec Manka Ambi, en remplacement de Mireille Lambou, récemment décédée. Le rappel des titres vient mettre fin à cette édition du 13h qui a duré exactement 36 minutes. C'est la fin de cette édition du 13h. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Marie-Françoise Eolo peut alors ranger sa panoplie, dire au revoir à la cabine technique, Merci tout le monde, bon après-midi. Puis prendre congé de la réalisatrice, à qui elle remet la chemise du journal. À demain chérie, merci beaucoup. Je suis déjà habituée à gérer le stress. Un tour vite fait dans le bureau du rédacteur en chef, elle s'en va décompresser et faire un point avec ses collègues de bureau. C'est vrai que de temps en temps, tu cries un peu, mais au final, tu fais très bien ton travail. Calme ta nervosité. Une lionne à l'antenne, mais aussi en dehors. Tu es la star du 13h. Marie-Françoise Eolo, la voix du 13h, la star du 13h. Après cette grande dame de la radio, place à une grande femme de la télévision. Elle commence aussi par la radio avant d'illuminer nos écrans sur la chaîne Canal 2 International. Et pour la première fois à la télévision, elle décide de tout raconter, de se raconter. Soflane Kengne, son parcours, sa vie privée, sa perte de poids. C'est un gros plan inédit signé Yves Kouam, Jacques Ekoua et Alain Balsingham. J'ai toujours été obèse et le public, les téléspectateurs, m'ont accepté comme ça. Et moi, je m'aimais et je m'acceptais telle que j'étais. Mais j'ai eu des problèmes de santé. J'avais vraiment déjà l'arthrose au genou, j'avais mal au dos et j'avais une folle envie de donner naissance. Et tous les médecins m'ont dit, tous les spécialistes m'ont dit, il faut perdre du poids. Je me souviens d'un monsieur qui m'a contacté pour présenter le mariage de son neveu. Son neveu, il est hors du Cameroun, il ne me connaît pas. Et donc, le monsieur était chargé d'organiser tout ça. Et donc, quand le marié, il me voit, le soir de l'événement, il dit non, elle ne peut pas présenter mon événement. Elle est obèse. Franchement, dans ma vie de tous les jours, 130 kilos, ce n'était pas facile, socialement. Même pour vous habiller, c'est compliqué. Même si les gens sont avenants et vraiment tolérants, il y a toujours des remarques qui fusent de partout. Mais je me fichais pas mal de ces remarques-là. Ce n'était pas trop mon problème. C'est quand je commence à avoir des problèmes de santé que je me dis il faut faire quelque chose. Ma marche quotidienne, hein, c'est un peu ça, ma routine tout le temps. Pour briser sa morphologie, devenue un poids pour sa vie, il lui a fallu du courage. Elle l'a fait. Sa méthode, elle l'explique dans ce livre, pour la postérité. C'est un livre qui retrace un tout petit peu mon combat contre l'obésité. Non, ce n'est pas Calix Beyala. Non, ce n'est pas Léonora Miano. Ce n'est non plus Djaïli Amadou Amal. Mais bien sûr, c'est Soflane Kengne, ou plutôt Solange Yvonne Flore Nouedjom Kengne. Voilà mon nom. Soflane est venue un peu plus tard. C'est moi qui décide de faire la contraction de mes trois prénoms pour faire Soflane. Quand je me lance dans la radio. Celle qui valait 130 kg sur le compteur d'une balance est une grande femme du petit écran qui a toujours pesé dans notre estime. Le matin à la radio, elle nous a longtemps vendu l'amour. C'est vrai que les uns et les autres ont dit, mais on parle généralement d'amour la nuit. Pourquoi on parle d'amour la nuit? Il faut parler d'amour dans la journée. Moi, je ne trouve pas que c'était une émission osée, hein, non. C'était tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, tous les matins à la télé, elle nous a vendu la bonne humeur. Aujourd'hui, elle revient au devant de la scène pour nous vendre le bien-être. Dans ce livre, je vous dis comment on fait pour arriver à 130 kilos. Voici l'histoire d'un poids lourd de l'audiovisuel camerounais, Soflane Kengne. Yaoundé, un jour de décembre, 3 mois après son limogeage de Canal 2 International. Venue de Douala la veille, Soflane Kengne présente solennellement son livre « Le poids de mon poids » dans une foire organisée dans un grand hôtel de la capitale camerounaise. Une tribune où l'auteur profite d'écouler quelques exemplaires du livre en s'activant au milieu des fans et d'un public curieux de l'entendre divulguer sa recette miracle. C'est un modèle pour nous qui sommes en surpoids. Le poids de mon poids, je donne chapeau. La bonne nouvelle que l'animatrice camerounaise répand aujourd'hui résulte du mal qu'elle vivait sans appréhension jusqu'au moment où, étreinte par un désir fou de devenir maman, elle va engager un combat, celui de se faire un indice de masse corporelle raisonnable et propice à faire un enfant. Oui, parce que j'étais dans la case obésité morbide. 130 kilos pour 1,60 m, vous êtes à l'article de la mort. Donc, il fallait que je fasse des efforts pour rester en vie. Et pour donner la vie, il fallait que je fasse aussi des efforts pour mettre toutes les chances de mon côté. Elle, nous savions que c'était pour des raisons de santé, mais le grand public ne le savait pas. C'est tout le monde qui disait, mais Soflane, tu n'as pas d'enfant, et tout. Et donc je savais que ma copine devait absolument perdre du poids. On croyait qu'elle avait, une assurance quand elle était bien ronde comme on croyait, mais moi je la connaissais, je savais qu'au fond d'elle, il y avait un truc qui n'allait pas. J'arrive plus vraiment à dormir, quand je dors, je respire à peine. J'ai vraiment envie que le Seigneur me donne un beau bébé. Et quand elle a rencontré son gynécologue, Dr Gouet, qui lui a dit, bah, écoute ma chérie, si tu veux avoir un bébé, première des choses, il faut absolument perdre du poids. On se retrouve chez Cyril Bogico lors d'un après-midi barbecue et il y a quelqu'un qui m'interpelle et je me retourne et je me dis, mais où est-ce que je connais cette jeune fille? Où est-ce que je la connais? Et c'est en l'écoutant que je dis, mais c'est Soflane, c'est pas possible. Et là, je suis, en même temps que je suis surpris, je suis content. C'est-à-dire qu'elle ait réussi à le faire. Je savais qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle avait beaucoup de soucis de santé à cause de ce poids-là. Et là, tout de suite, c'était waouh. À partir de 130 kilos, il en faut de la volonté. Et ça, j'avoue que ça m'a botté, mais sérieusement. Il m'arrive encore souvent de vouloir revoir la Soflane d'hier. Alors, je vais dans son album, je feuillette et je dis waouh, ça c'est véritablement la détermination. Je viens d'être interpellée par une dame qui me dit, mais Soflane, tu as déjà perdu du poids. Pourquoi tu continues à faire du sport autant? Et moi, j'ai rigolé, quoi. Son combat, elle va le mener quotidiennement au prix des moqueries et autres railleries sur les réseaux sociaux. Mais elle avait la conviction de construire la fondation de son bonheur. Mon homme, mon chouchou, comme je le dis dans le livre, il m'a dit, pourquoi tu suis ce processus? C'est pour toi, pour rester en vie. C'est pour toi, pour donner naissance. Alors, des personnes que tu connais pas, qui sur les réseaux sociaux t'insultent, faut pas gérer. Et à partir de ce moment, dès qu'il m'a dit, j'ai dit, mais c'est tellement clair. Je ne vis pas pour les autres, je vis pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, ça commençait à me faire rire. Les gens m'insultaient tous les jours, je m'en foutais. Vous m'insultez aujourd'hui, je publie une photo demain. Vous m'insultez demain, je publiais les photos tous les jours, j'alimentais. Donc, quand vous êtes un peu calme, ça m'énerve. Et on ne m'a pas insulté aujourd'hui, comment? Je mets encore une photo, insultez-moi. Et avec du recul, je les comprenais. Parce que si vous avez passé votre temps à dire aux gens « aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes » et que subitement vous changez, sans leur expliquer pourquoi vous changez, ils doivent se poser des questions. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas fini, hein. Il y a toujours des personnes qui m'insultent, mais bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a des personnes qui viennent me demander pardon. Ah, il y a un jeune qui a acheté mon ouvrage, je le connais pas, hein, qui a lu l'ouvrage et qui m'a envoyé une vidéo. Je voulais m'excuser parce que je fais partie de cette catégorie de personnes qui vous ont critiqué à cause de votre perte de poids. Il y a même des gens qui venaient me voir. Tu es même sûr que ta collègue là a vraiment perdu le poids avec la méthode qu'elle est en train de dire là. Moi, je sais qu'elle a fait la nôtre. Je dis non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu comment elle perdait ses kilos au jour le jour. J'étais allée de 130 à 80. Et à un moment, je suis même allée à 73 kilos. Parce que ma gynécologue me disait toujours, il faut perdre du poids, il faut encore perdre du poids. Je suis toujours dans la case obésité. On m'a fait le reproche que c'était rapide. Mais rapide, pour vous, c'est quoi rapide? Moi, j'ai commencé mon programme alimentaire en octobre 2015. Et j'ai perdu 50 kilos en octobre 2016. Il est 7h, passé des 57 minutes. Le régime que j'ai suivi, c'est le régime Ikonga. C'est un programme de rééquilibrage alimentaire qui n'est pas drastique du tout. On mange de tout, mais en petite quantité. Après, j'ai fait cette erreur que je recommande aux uns et aux autres de ne pas faire. Comme je voulais maigrir tellement vite, il y avait des jours où il y avait des semaines où je ne suivais pas le programme. C'est-à-dire, je sautais les repas. Et des semaines où je faisais un repas. Des semaines où je faisais 4 jours sans manger. Parce que je voulais aller rapidement. À un moment donné, j'étais super pâle. C'était normal, parce que j'ai voulu aller rapidement. À toutes les personnes qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux à cause de ma perte de poids et qui me insultent encore aujourd'hui, continuez. Dans la fosse aux détracteurs, il y a même le rappeur camerounais Malox. Malox, si je me souviens très bien, son titre « Ça sort comme ça sort », je suis la première qui télécharge son clip et diffuse sur Canal Matin. Ça m'a rien fait du tout. Parce que moi, je suis habituée au bashing sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé que si ça peut lui donner du bonheur, si ça peut lui faire plaisir d'écrire tout ça et de se marrer, oh bien j'aurais contribué quand même un peu à son bonheur. Elle est comme ça, Tata So, si vous voulez, So pour les intimes. Si le Seigneur est amour. Soflane Kengne aussi. Oh, ça fait beaucoup d'années que j'utilise ça comme devise. J'ai traversé des choses, comment dire, des moments difficiles dans ma vie et je suis convaincue que celui qui m'a sorti de là, c'est le Seigneur. Solide, puissante, besogneuse et instinctive, Soflane Kengne s'est forgée des qualités sans appartenir à aucun réseau, à aucune école. C'est une preuve de beaucoup de force, voilà, parce qu'elle a surpassé un certain nombre de choses. C'est un modèle pour moi. Elle est chaleureuse, elle est vraie, elle a la niaque. C'est une bosseuse acharnée. J'avais jamais fait de programme matinal à l'époque. Et quand j'ai commencé à travailler avec Soflane, j'ai appris beaucoup de choses. À cause du bouillon de bœuf. Soflane n'a peur de rien à l'antenne. C'est quelqu'un qui peut passer d'un sujet sur le Makossa à un sujet sur le sexe sans transition. On peut le noter. Elle est très très intelligente. Elle est même très sage. Elle fait ses choses. Mais la seule chose que je lui reproche, et ça, j'espère qu'elle regardera, elle a un petit côté un peu hypocrite. Parfois, elle cache les choses. Soflane, dis tes choses à tes copines. Je suis même pas au courant, ma. Donc, j'apprends seulement. Ouais, Kiki, j'allais t'appeler, j'allais te dire ça. Et elle aime trop être trop lisse. Elle a un pouvoir de persuasion. Elle ouvre beaucoup ses mains à tout le monde. Elle est vraie, en fait. C'est quelqu'un qui marche sur les événements, sur les claques de la vie, elle sait rebondir. En fait, elle prend les choses vraiment, vraiment de haut, avec beaucoup de hauteur. Et puis, c'est quelqu'un d'humble. Elle ne va pas dire qu'on lui a fait du tort, elle va simplement reculer, disparaître un moment, et puis voilà. Peut-être, ma chère, que tu devrais de temps en temps lâcher la bombe. Hein. Elle est une self-made girl qui a gagné ses galons en appliquant ses propres codes, calqués sur ses modèles. Quand je regardais Denise Epoté, je disais « Ah là là, j'aimerais bien être comme Denise Epoté ». Et ensuite, quand j'écoutais Solange Aïcha, je me suis dit vraiment « Il faut que je fasse de l'animation ». Je peux me vanter, hein. Donc je m'inscris dans le club journal de l'établissement et on fait des émissions à la CRTV radio, notamment à Bafoussam. Et c'est comme ça que je me lance dans l'animation. Sa porte d'entrée dans le métier, c'est à Suite FM qu'elle va la pousser. Au bout d'un an, que je vais maintenant aller à RTM, la radio de Tommy Holmes et Dinali. Où elle va animer tour à tour les émissions comme la matinale, le 6h-12h et rétro. Grâce à Joyce Fosso, Joyce Fosso, je vais donc intégrer RTM. Paix à son âme, Tommy Holmes, qui nous a vraiment inculqué de bonnes notions. Il nous a appris comment détecter quand quelqu'un chante faux. Après 7 ans d'accumulation d'expérience, au mois de mars 2009, la belle aventure s'arrête sur la 106 FM. Un technicien qui s'appelle Difford Divine, qui était parti de la maison. Il y a Madame Dinali qui débarque. Mais pourquoi vous voulez absolument que Difford revienne? Tous les techniciens sont d'accord qu'il vienne. Elle me dit, mais comment ça tous les techniciens sont d'accord? J'ai dit, mais oui madame, tout le monde est dit, pourquoi Didier Franck, il était à l'antenne. Didier Franck, toi tu es d'accord qu'il vienne? Didier Franck dit non, madame, non. Et madame Dinali me dit, mais arrête, arrête de bavarder, tu ne vas pas le forcer à accepter une situation. Bon, là, j'ai plus compris, hein, c'est aller en vrille. Il a dit, d'accord, madame, d'accord, mais bon, si on travaille avec des personnes hypocrites, c'est compliqué. Ce qui devait être une banale discussion va très vite se transformer en un licenciement. Elle m'avait déjà donné une lettre de licenciement avant que je finisse l'émission. J'ai répondu à sa lettre en lui disant « Non, madame, si c'est seulement pour ce malentendu que vous voulez me faire partir, c'est pas normal, vraiment je m'excuse, je n'ai pas su que ça devait vous choquer, vraiment tout ce que j'ai c'est mon travail, donc si vous me l'enlevez, j'ai plus rien d'autre, tout ça. » Et donc j'ai fait une lettre comme ça, et j'ai mis sa lettre de licenciement à l'intérieur, et je suis allée déposer dans son bureau, elle n'était pas là. Et je suis rentrée rapidement en me disant quand elle va lire, elle sera touchée, elle va... Non, mais je suis restée chez moi, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une heure, il ressonne à ma porte. J'ouvre, c'est un huissier. J'ai été envoyée par RTM, lui. C'est pourquoi? Pour vous donner votre lettre de licenciement. Avril 2009, Soflane Kengne revient là où tout a commencé, Suite FM. Entre 2009 et 2012, elle va marquer les esprits en parlant d'amour comme jamais dans l'émission Plus jamais seule, diffusée tous les matins à 9h. Énorme succès. Qui parlait des couples, qui parlait des personnes qui avaient envie de rencontrer l'amour. Après une suspension d'antenne à la radio, elle se consacre à fond à la télévision du même groupe où elle écrivait déjà des chroniques pour la matinale. 8 années de suite, elle va agrémenter vos matins en duo, en solo et même en alternance dans l'émission Canal Matin. Soflane me dit, bon, on va parler du téléphone. Tu as oublié de regarder mon téléphone. J'ai regardé, j'ai vu qu'elle avait besoin de quelque chose et j'ai envoyé. Non, non, j'aime pas ça. Touche pas mon téléphone, café. Et c'est pour ça que t'es... Non, arrête ça. T'es vraiment fâché? Ouais, ça. Et c'est pour ça que t'arrêtes l'émission? Oh là là, chouchou. Soflane Kengne vit comme elle présente ses émissions, avec générosité et tendresse, dans la voix et le regard. Elle donnait pour mieux recevoir de son public qu'elle chérit tant. Canal Matin à Promote, en direct de Promote. Et il y a une dame qui est venue et qui s'est couchée sur moi, elle a commencé à pleurer. « Oh, Soflane, enfin, je te vois. Enfin, moi, je voulais trop te voir. Ah, » j'étais émue. Non, c'est pas possible. Pourquoi elle pleure? « Oh, j'étais enfin vue. Oh, » elle était super contente. Ça, c'est des moments comme ça qu'on garde, quoi. Forcément, des pires moments, elle en a connu. C'était en 2012, hein, où il y avait eu un conseil de ministre qui avait duré juste 30 minutes. Et je m'étais exclamée en disant, un conseil de ministre en 30 minutes, ça c'est du grand n'importe quoi. Après ça, il y a eu tellement de choses autour, c'était vraiment le pire moment pour moi. Après 11 ans de sacerdoce, de bons et loyaux services à Canal 2 International, c'est la fin de l'idylle. Septembre 2020, Soflane Kengne est licenciée. Parce qu'on m'a dit virer, non, disons remercier. Comme ça, dans les divers, elle me dit que c'est que j'ai rompu, mon contrat n'est plus valable à Canal 2. Et qui est ma copine, c'est comment? Elle me dit que oui, on m'a licencié. Je suis en bas à Canal 2, je suis dans mon véhicule, descends, tu me trouves, j'ai ton billet d'invitation. Elle me dit, mais je ne travaille plus pour Canal 2. Non, du coup, comme on était au mariage d'Achille Asako, on était tous là. Elle dit, bon, en fait, c'est pour t'annoncer que je suis plus à Canal 2. Comment? Non, je suis plus. Un matin, je suis arrivée, bah, on m'a dit que c'est bon. J'étais un peu choquée et j'étais contente. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai dit à Soflane, certes, tu es à Canal 2 et que tu adores ta matinale, mais tu vaux mieux. Quand je dis tu vaux mieux, je dis tu peux proposer mieux en fait au public. Je ne suis pas choquée parce que je sais tout le talent que Soflane a. Quand elle a quitté RTM pour aller sur Canal 2, ça a été encore plus grandiose. Et c'est ce qui va se passer en fait avec, après l'aventure Canal 2. La polémique, c'est comment peut-on se séparer d'une Soflane Kengne? Il y a eu des sous-entendus, vous allez vous faire votre propre opinion, mais voici ce que dit d'abord Soflane Kengne. J'ai été remerciée par ma hiérarchie parce que l'entreprise a des problèmes, traverse des difficultés. Voilà, ils m'ont bien expliqué. Financièrement, ça ne va pas. La Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Donc, ils étaient obligés, ils sont vus obligés de se séparer d'un certain nombre d'employés. S'il fallait en écarter quelques-uns, ça ne pouvait pas être Soflane. Je l'ai vécu comme une injustice. Mais je suis sûre d'une chose. Je ne dis pas qu'elle va rebondir, je dis qu'elle est en train de rebondir. Rassurez-vous, ce n'est qu'un au revoir. Soflane Kengne compte rebondir. J'ai été approchée par plusieurs chaînes, mais d'emblée, je leur ai dit si je travaille avec vous, ce sera un thème de production. J'ai pensé à quelque chose pour la radio. Si j'ai réussi à le faire et à mettre ça en place, ça va être énorme. Bon, la télé ne me manque pas. Même si la télé ne lui manque pas du tout, mais sa raison d'être, c'est d'abord son fils. Isabelle Yonisena, aïe mon cœur. J'ai fait des neuvaines de prière. Il y a donc son fils, mais aussi son conjoint. Bon, Chouchou, il est commerçant, c'est un homme d'affaires, entre guillemets. Chouchou, je t'aime très fort, tu le sais. Je t'ai dit que c'était mon terminus, que je t'ai calé, donc voilà. Originaire de Banjul, dans le Kunki à l'ouest Cameroun, Soflane Kengne vient au monde un 22 novembre. Aînée d'une fratrie de 7 enfants du côté de sa maman, elle compte 7 autres frères et sœurs, issus d'un second mariage de son père. Fille d'un technicien des postes et télécommunications retraité et d'une mère au foyer. Maman Marie, merci beaucoup. Maman Madeleine, merci beaucoup. Et mon père, Monsieur Kengne Jean de la Croix, merci. Merci beaucoup. Soflane Kengne a poussé sur différents terreaux bien distincts au gré des affectations de son cher papa. Garoua, où elle est née, Bafan, où elle a été scolarisée, Fumban, Fumbot, Bafoussam et Baham, où elle a grandi, puis Douala, où elle fait ses études universitaires. C'est à l'université de Douala que je vais avoir ma licence en littérature française, options techniques de communication. Si on l'a forcée à ranger momentanément le micro, elle ne se prive cependant pas de vendre ses prestations pour des mariages. Son plus gros cachet à ce jour. 1 million de francs CFA, moins de 200 000. Copo, c'est un frère, je ne peux pas demander un cachet à Copo, non. Ah oui, justement, quand on lui parle d'un extrait de la chronique du rappeur Copo dans un numéro précédent de cette émission. Ma Soflane Kengne dans le whiteisage alors. On va le savoir tout de suite. Bonjour, Bakayara. Vas-y, ma Soso de Way, c'est toi qui connais. Est-ce que je whiteise pas alors? Oh. Fair play, elle est comme ça la Soflane, comme un boxeur qui s'est encaissé au point de mettre son adversaire KO. Aimer ou détester, elle a aussi ses préférences. Top 3, Cyril Bogico, Yolande Bodion, Laura Dev, c'est mon 9 adoré. Le 9 adoré, c'est quoi l'histoire? C'est tout simplement qu'elle me donne la passe et je marque, et moi je lui donne la passe et marque. La vie ne nous a pas donné quand même de cadeaux. Hein. Quand on sait d'où on vient et voir comment aujourd'hui elle se déploie, chapeau Laura. Ma jolie chou-fleur, Soflane Kengne. Tu sais, avant tout, tu es une personne exceptionnelle. Reste comme tu es, travailleuse acharnée, très ambitieuse. Ma sista, je suis très contente de ce que tu es devenue. Tu as prouvé que qui veut peut, tu iras très très loin. Tu sais, tu es mon amie, tu es ma soeur, tu es mon coach, tu es tout pour moi. Accroche-toi, je sais que ce n'est pas très évident ces derniers temps. Mon rêve, c'est qu'on retravaille ensemble. Ma BS, de rester la femme forte que tu as toujours été et que tu es. Moi, j'aime beaucoup. beaucoup la personne que le temps fait de toi. Et vraiment, j'aime ta façon de rebondir. Alors, à ce niveau, ne change pas. Ne change vraiment pas. Fifi, comme j'aime à t'appeler, je voudrais te dire une seule chose, hein, ne change pas. Reste comme tu es, la personne vraie, la personne aimable. Je t'adore. Bisous. Soflane Kengne. Un poids lourd du paysage audiovisuel camerounais, une grande femme dont le poids n'aura de cesse d'écraser vos sentiments et de saisir toutes les nuances de votre estime. Cela vaut quand même une once d'émotion. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe. Ah là là, j'adore cette chanson, Seigneur, merci. Merci pour tout. Ah, j'ai pleuré. Soflane Kengne n'est pas prête d'être KO dans le ring de la vie. Attention, ses combats continuent et ses prochains matchs, elle compte les gagner par KO. Je suis Soflane Kengne, j'étais le gros plan de travelling de Seigneur Amour, Soflane Kengne aussi. Allez, clap des fins. Respect, Soflane Kengne. Place à la courte focale avec mon très cher Copo et la suite de sa liste et des noms complets des hommes et femmes des médias du Cameroun. La suite des noms complets, les vrais noms de nos vedettes de médias. Martin Fleur Mimbiol. Inspiration. Cyril Bertrand Dungtio Bogico. Pourquoi l'enlever Dungtio? Donc, Thio, le thioliste, le tuyau les Thio, les sponsors. Alexandre Siewel Lepi, Achille Asako Meunier. Il fallait laisser Meunier, non? Meunier te dérange en quoi? Joseph Bertrand Tuenkam. Mais c'est beau! Joe, par exemple, il fallait mettre Joe Tuenkam que de mettre Bertie Bertrand. C'est quoi? Tuenanguyan, Francis Njo, et Kemola, il y a les Arinjo, les Belanjo, l'Arinjo Njo. Hein? Où tu avais peur que tu te mettes à animer partout, Njo Njo. Ngenge Chamani Francis, ça dit que, et puis son Nge, c'est NGU, apostrophe NGUE. Ngenge Chamani Francine. C'est la seule qui comprend ici. Comment on allait les Ngenge? Ngenge. Oh putain! À News ou à Benoît Yannick, Marie-Flore, à Massana Guina. Mais moi j'aime bien Guina. Aïe, ou bien tu voulais pas qu'on te dise que tu es près des papillons, ou Guina, tu es en Guina, tout ça, tout ça. Angwande Ngo Lydie Claire Luce. Nom de star. Palix. Poponyme, Feutué Falix. Ah! On a pris le. Il a laissé Feutué, il a pris F, il a joint Alix, Falix, Aman Manama, Gloire Pépin. La prochaine fois que je te vois, grand frère. Ah non, Pépino. One love. Delphin Bibaï Anzi Bignam. Regarde, il est mieux. Je suis le petit Bignam. Junior. Je respecte l'inspiration, net comme je respecte l'inspiration de mon Big Sam Bende qui nous chantait et célébrait les jolis prénoms. Écoute ça, Amola. Sacré Copo, travelling, stop et fin. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde des médias. D'ici là, la télévision continue. Attention, restez ce côté. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.